J'étais physicien. Maintenant, je suis à la retraite depuis pas mal de temps. J'ai travaillé dans l'industrie, d'une part, un certain temps, électronique. Et ensuite, j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche scientifique où il y avait beaucoup de rayonnement. Du rayonnement pour la santé, on n'avait jamais rien appris à l'école d'ingénieur où j'étais. Je connaissais, on nous enseignait toutes les propriétés physiques, la chimie, etc. Mais les conséquences biologiques, ce n'était pas du programme. Et comme à cette époque, disons dans les années 50, 55, il y avait des discussions déjà sur la nocivité du rayonnement ou l'innocuité du rayonnement. Et comme je voyais mes collègues travailler d'une façon absolument sans problème, je me suis dit que je voulais me renseigner exactement sur ce qui se passait. Donc j'ai lu tout ce qui pouvait se trouver, en particulier une littérature venant des États-Unis, parce qu'en France il n'y avait rien. D'une part, et je me suis préoccupé de ma sécurité moi-même, de ma sécurité à moi, et non pas de la façon dont mes collègues travaillaient. Bon, c'est pour ça que notre père, ma femme, a travaillé aussi au CEA sur des problèmes de rayons X, structure de la matière, etc. Donc, il y avait des problèmes aussi de protection. Ce qui fait qu'on s'est intéressé depuis très longtemps, je dirais depuis les années 70, même un peu avant, sur ces cas-là. Ensuite, je me suis intéressé au passage sur les problèmes de maladies professionnelles pour aider des travailleurs qui essayaient de porter plainte contre soit EDF, soit le CEA, soit la COGEMA. Parce qu'en général, les médecins, les juges, la presse bloquaient la totalité. Bon, alors, ça c'est une façon de... c'est un aspect. Quant à l'histoire du nucléaire, c'est assez intéressant à se suivre. Il faut remonter, je crois, à 1894, la découverte par Becquerel d'un phénomène assez curieux. Il travaillait dans un laboratoire de physique appliquée, c'est assez curieux, et sur le problème de luminescence de certains matériaux. Et là, il a trouvé qu'il y avait des matériaux qu'on éclairait, et ensuite, quand on éteignait la lumière, ils produisaient certains matériaux. Et puis, il y a des matériaux qu'on n'avait pas besoin de les éclairer pour qu'ils émettent des rayonnements, quelque chose qui noircissait les pellicules. C'est ça la découverte assez mystérieuse. Et bon, il y a eu la découverte des rayons X, etc., etc. Et ce phénomène de mettre la main et puis de voir sur un écran les os, avec quelque chose de magique, ça s'était jamais vu dans le truc. Donc il y a eu, quand on lit les textes de l'époque, au début du siècle par exemple, véritablement une attitude magique par rapport à la radioactivité. L'exemple le plus clair que j'ai trouvé, c'est un texte de Marie Curie dans un de ses ouvrages. D'ailleurs, l'ouvrage n'est pas de Marie Curie, mais de Madame Pierre Curie. Il fallait être respectueux de mariage. Donc, dans son texte, elle dit qu'elle préconise l'utilisation du radium et du radon pour des tas de maladies, etc. Et elle finit par une phrase, je cite de mémoire, disant on n'a aucune preuve expérimentale que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Ce qui est une attitude totalement magique. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que j'ai trouvé aussi un texte assez curieux, tout à fait analogue à un texte de Marie Curie,
un texte de Maurice Leblanc sur, avec Arsène Lupin dans l'île aux 30 cercueils, où c'est une histoire de pierres magiques venant de Bohême, c'est-à-dire d'uranium, qui fait pousser les plantes, etc., etc. On retrouve exactement ça. Et quand on regarde la littérature, il y a plein de choses. Il y a par exemple les engrais nucléaires, les engrais atomiques, comme on disait, ce qui veut dire des déchets de traitement d'uranium. L'uranium, à cette époque-là, n'était pas utilisé pour son énergie, mais était utilisé surtout pour faire des émaux, ce qu'on appelait le rouge sang. Donc, il y a eu toute une utilisation, par exemple, pour mesurer la longueur des pieds pour les chaussures, jusqu'au moment où on a commencé à se rendre compte que certains utilisateurs de ces appareils produisant des rayonnements avaient des problèmes assez curieux. D'ailleurs, quand on remonte un peu sur l'histoire, on s'aperçoit que chez les mineurs de Bohême, vers la fin du 19e siècle, il y avait des problèmes pulmonaires assez curieux qu'on ne connaissait pas, etc., et qu'on a identifiés plus tard comme des cancers. Donc c'est des choses qui étaient relativement connues. Mais donc on a commencé, je crois que c'est à partir de 1928, à introduire une espèce de réglementation pour essayer de protéger les gens qui utilisaient ces produits-là. Quand on lit les textes de l'époque, on s'aperçoit que c'est quand même assez confus. D'une part, dans la préface de ces textes de commission internationale, il est dit qu'il faut protéger les gens, mais aussi il faut aussi protéger l'industrie. Autrement dit, leur rôle, c'est d'avoir un compromis entre la protection des gens et la nécessité de donner une certaine marge de manœuvre à l'industrie qui commençait à se développer. Quand on regarde la protection qu'il y avait à l'époque, c'était surtout pour des très fortes doses qui donnaient des maladies quasi rapidement, c'est-à-dire perte des cheveux, destruction de la peau, des problèmes urinaires, etc., etc. Donc, c'était surtout ça. Et l'idée qui s'est développée, c'est que, bien plus tard, l'idée, c'était qu'en réalité, le rayonnement n'est dangereux que s'il est très intense, et très très fort, qu'il y a un seuil en dessous duquel il n'y a pas de problème. Alors la réglementation en ce moment-là devenait simple, il suffisait d'assurer pour les travailleurs et la population que l'industrie ne leur flanque pas une quantité de rayonnement supérieure à ce seuil. C'était ça le truc. Et c'est encore ce que radotent les académiciens et les médecins français dans leur majorité, alors qu'au niveau international, il est à peu près admis maintenant qu'il n'y a pas de seuil. Et que les effets des faibles doses, comme on dit, sont des effets à long terme, entre 2 et 10 ans pour les leucémies, plus une fréquence un peu plus faible sur les années qui suivent. Quant aux tumeurs solides, ils apparaissent après ce qu'on appelle un temps. Ils s'expriment, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon médical, ils s'expriment au bout d'une dizaine d'années, et la probabilité va en croissant jusqu'à la fin de la vie des gens. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que dans les années 38, 39, 36, 39, par exemple, l'uranium est très à la mode chez les scientifiques. Ils font des tas d'expériences pour essayer de trouver des éléments plus lourds, etc., etc. Et là, c'est le bazar, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils irradient de l'uranium avec des neutrons et ils trouvent des produits tout à fait bizarres, des produits légers, autrement du
du césium, du barium, etc., alors qu'ils s'attendaient à trouver des produits lourds. Et il y a eu toute une polémique extrêmement violente entre les scientifiques, ça c'est classique, jusqu'au moment où en 1939, Otto Hahn, en Autriche, trouve la solution. Plus exactement, c'est une de ses collaboratrices, Elise Mettner, juive qui avait été obligée de quitter l'Autriche nazie et s'était réfugiée au Danemark, lui avait suggéré, et il a piqué l'idée, sans complexe, qu'en réalité, l'irradiation de l'uranium par les neutrons brisait le noyau en morceaux et produisait de l'énergie. C'est ça. Et le problème qui s'est posé, c'est, alors il y a des gens qui étaient assez furieux parce que Joliot Curie et Rennes faisaient des manips et ils n'avaient rien vu. Donc ça les a beaucoup perturbés parce qu'il y avait un prix Nobel à la clé. Donc la première question qui se posait, et qui s'est posée, que certains scientifiques ont posé, c'était qu'est-ce qu'on peut faire cette énergie ? Parce que cette énergie était énorme en valeur absolue, enfin en valeur relative, il y avait beaucoup d'énergie par rapport à un noyau, mais qu'on ne pouvait rien en faire, parce que c'était pas utilisable. Pour avoir quelque chose, il fallait que ça se multiplie. La multiplie, c'est ce qu'on appelait la réaction en chaîne. Et tout le problème qui s'est posé à ce moment-là aux scientifiques, c'était de savoir, est-ce qu'une réaction en chaîne est possible ? C'est-à-dire que, est-ce que dans la désintégration d'un noyau d'uranium, est-ce qu'il y a production d'un neutron ou de plusieurs neutrons ? S'il y a plusieurs neutrons, ces plusieurs neutrons pourront briser plusieurs noyaux, etc. Et donc ça va aller en façon exponentielle, extrêmement rapide. Et c'est là-dessus que les gens se sont mobilisés. Certains scientifiques ont voulu stopper ce genre de choses. En particulier, Léo Szilard avait senti la chose que si jamais la physique montrait qu'un noyau d'uranium produisait plusieurs neutrons, c'est la première chose qu'on ferait, c'est un explosif. Ça, c'était clair, ça, pour lui. Et il avait demandé, il y a une pétition qui a circulé, pour que les travaux ne soient plus publiés. Beaucoup de scientifiques ont signé cette pétition. Joliot Curie, lui, ne l'a pas signé. Il a prétexté qu'il n'avait pas compris le texte en anglais. Donc, la première utilisation qui a été envisagée de cette énergie qu'on a appelée atomique, ça a été la réaction en chaîne et la bombe, c'est clair. Envisager le nucléaire, enfin du énergétique, est venu bien plus tard. Donc la première chose, la preuve, c'est que Joliot, en 1939, a eu des crédits de la part du ministère de la guerre, j'ai oublié le nom du ministre, pour acheter et accumuler suffisamment d'uranium pour faire une bombe française en 1939, et où l'expérience était-elle prévue ? En Algérie. Parce qu'il prévoyait que ça pouvait être assez dangereux, etc. Donc, on voit tout de suite que le danger de cette utilisation du nucléaire. Bon, après, il y a eu le développement de le fameux projet Manhattan à partir de 42. 42, je ne me souviens plus, et avec le laboratoire de Los Alamos et les premières expériences, le premier réacteur nucléaire qui a été fabriqué par Fermi en 42 à Chicago. Tout ça s'est passé dans... Là encore, l'argumentation qui avait été donnée et exprimée par Einstein dans sa lettre au gouvernement américain, lettre d'ailleurs qu'il n'a pas écrite lui-même, mais que Léo Szilard lui a écrit parce qu'il ne connaissait rien à ce sujet, ce n'était pas son sujet d'étude. Il donnait simplement sa garantie
médiatique à ce texte. Le travail de projet Manhattan, c'était de faire des bombes pour éventuellement arriver avant les Allemands. C'était ça le problème. Et assez rapidement, à mon avis, quand on lit les textes et les mémoires des différents physiciens, on s'aperçoit que, manifestement, dès 1943, il était évident que l'Allemagne ne pouvait pas faire la bombe. Le seul physicien qui pouvait la faire, Heisenberg, a été obligé de changer 3 fois son laboratoire de place à cause des bombardements anglais et américains sur l'Allemagne. C'était en plus de ça, le programme Manhattan a utilisé 150 000 personnes. C'était quelque chose qui était totalement impossible à faire en Allemagne sans que ça se sache, c'est évident ça. Et d'ailleurs, Hitler ayant demandé à ses physiciens des armes modernes, mais à la condition que ces armes soient disponibles rapidement, c'était ce qu'on appelait la guerre éclair. Donc Heisenberg avait dit que ce n'était pas possible d'avoir une bombe rapidement, à la rigueur, un peu d'énergie, etc. Bon. Donc on s'aperçoit quand on lit les textes de l'époque, les mémoires, qu'en réalité, assez rapidement aux États-Unis, la bombe a été envisagée comme un moyen, disons, dans ce qu'on a appelé après la guerre froide. Les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, manifestement, n'avaient aucun intérêt pour la guerre avec le Japon, ça c'est évident maintenant. Mais c'était une démonstration pour montrer la puissance des États-Unis vis-à-vis de l'envahisseur éventuel soviétique. Bon, d'ailleurs, quand on regarde de près, on s'aperçoit que le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, août 1945, a été décidé bien avant, parce qu'il a fallu non seulement faire les bombes, mais il a fallu faire un avion spécial, entraîner les aviateurs, avoir un plan, choisir les villes, etc. Et à mon avis, tout ça s'est fait avant que Roosevelt meure. C'est pas Truman, en somme, qui a décidé le Japon, mais c'est Roosevelt. Quand on regarde les choses de près, ça, on n'ose pas trop le dire, parce que Roosevelt, c'était bien. Bon. Par exemple, il y a des comptes rendus de comités scientifiques du projet Manhattan pour le choix des villes. Il fallait des villes propres, c'est-à-dire des villes qui n'aient pas été bombardées normalement, des villes japonaises, parce que sinon la manip n'était pas propre. On aurait mélangé les effets des bombardements classiques avec les effets... Vous voyez, ce genre de discussion des scientifiques en 1944, par exemple. On a les comptes rendus de ces conférences. Quand on regarde cette histoire, ça paraît affreux maintenant, quand on parle de Hiroshima et Nagasaki, affreux. Et moi, je me souviens personnellement d'un texte qui a été publié, je crois, dans les années 80, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant, c'était avant Mitterrand, oui. Disant que si les Français sont anti-nucléaires, anti-atomiques, c'est parce que ils ont dans l'inconscient collectif la mémoire d'Hiroshima. À Hiroshima, ça avait été une bombe biologique, les Français n'auraient pu manger de yaourt, texto. Donc, curieusement, à l'époque, j'avais 17 ans, et quand j'ai lu ça, je me dis, mais bon Dieu, je ne me souviens plus du tout de comment j'ai réagi à ce moment-là. Pourtant, à l'époque, je lisais beaucoup les journaux, tout ça, ce qui est tombé sous la main. C'était un moment où le progrès scientifique, l'idée partait en flèche, et chez les étudiants, un peu brillants, c'est évident que c'était fascinant, ça paraissait l'avenir, il n'y a pas de problème.
Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien pu lire à l'époque? Et je me suis mis à rechercher et à lire tous les journaux, les journaux nationaux, entre août 45 et août 46, Bikini. Et là, quand on regarde l'affaire, on s'aperçoit que le côté dramatique qu'on soulève maintenant n'existait pas, ça faisait partie de la guerre. Qu'on meurt d'une façon ou d'une autre, ça n'avait pas d'importance. Les Japonais étaient considérés comme des attaquants, donc ça faisait pas ça de la guerre. Il n'y a pas eu d'opposition, de critique violente du bombardement. Aux États-Unis, les seules critiques qui sont venues, c'est de certains politiciens républicains. Parce que Truman étant démocrate, c'est évident que les républicains devaient s'y opposer. Mais en France, c'était une espèce de délire dans lequel il y a des textes assez hallucinants disant que on montrera que la destruction à Hiroshima a été grande, plus ça confirme les hypothèses des physiciens qu'il y a une énergie énorme dans la matière. En gros, c'est ça. Il y a un texte qui est souvent cité comme texte d'opposant, c'est un texte de Camus dans Combat, deux, trois jours après le bombardement d'Hiroshima. Mais on ne signale pas que le texte, Camus ne l'a pas signé. Il ne l'a signé qu'en 1956 dans une copie publiée par Nouvel Observateur. Mais quand on regarde de près le texte, c'est pas si simple, parce que Camus critique non pas tellement le bombardement, mais le fait d'utiliser la destruction de villes totalement, d'utiliser cet argument pour valoriser la science. C'est surtout ça la critique de Camus qu'on masque. Parce que la plupart des gens qui citent Camus, en réalité, ne l'ont pas lu. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que deux jours après, dans Combat, il y avait un texte, je crois que c'est d'Adam et Rousseau, critiquant les obscurantistes, qui critiquaient la science, etc. etc. Alors que bon, c'était Camus qui était visé. Donc, la critique de nucléaire, de l'atome, comme on disait à l'époque, vient bien plus tard. Et ce n'est que, à mon avis, pour la France, tout au moins. Il y a un film, d'ailleurs, américain, qui s'appelle Atomic Café, qui reprend des publicités de l'époque, des chansons de l'époque, etc. Ce qui est assez étonnant, comme ça. Il est passé il y a très longtemps en salle, mais il n'est plus repassé depuis. Ça fait très longtemps que je l'ai vu. Et c'est au moment où la guerre froide s'est accélérée et où les Français se sont rendus compte que les bombes et la destruction, c'était pas uniquement pour les jaunes, mais les japonais, mais ça pouvait leur arriver aussi, qu'on a pris conscience en France, à mon avis, que l'atome militaire était dangereux. Et là encore, c'était assez confus. Par exemple, pour les associations de scientifiques contre l'arme atomique, c'était assez confus. Ils ne demandaient pas le désarmement nucléaire de la France, mais ils demandaient le désarmement nucléaire du monde entier, ce qui était complètement aberrant, parce que si on pouvait à la rigueur faire quelque chose, c'était d'agir sur les politiciens pour arrêter le développement nucléaire français, militaire. Donc vous voyez la confusion qu'il y avait toujours dans ce genre d'affaires, et la plupart des scientifiques qui étaient anti-nucléaires militaires étaient pro-nucléaires civils. Je me souviens d'un texte d'un physicien très, très connu, au moment de Plogoff, disant « vous trompez de cible, c'est pas Plogoff qu'il faut prendre, mais c'est l'île Longue, là où il y avait les sous-marins nucléaires. »
Donc la critique de l'énergie nucléaire en tant qu'énergie se fait bien plus tard. Et l'énergie nucléaire civile, finalement, servait de critique contre le nucléaire militaire. Vous savez ce que je veux dire ? C'était surtout à la suite. D'ailleurs, c'est les Américains qui avaient lancé l'idée, Eisenhower en 1953, avec l'atome pour la paix. Donc, mais quand on regarde ce qui est cité dans un des films qui est passé, que le CEA a été créé par une ordonnance de 45, il faut quand même savoir que cette ordonnance a été rédigée par Joliot-Curie à la demande de De Gaulle. Et quand on lit cette ordonnance, que peu de gens font d'ailleurs, on trouve que le but du CEA avait trois objectifs. Un, l'armement. Deux, l'énergie. Et trois, la recherche. Autrement dit, quand on a critiqué le CEA quelques années plus tard d'avoir détourné le CEA vers le militaire, c'est complètement faux. Parce qu'un des buts du CEA, le premier but, ça a été la bombe, c'est évident. Donc voilà un peu le gros de du développement et donc le début c'était le CEA militaire. Là, c'est aussi l'affaire était très compliquée parce que l'organisation militaire au début était complètement bordélique. Je me souviens d'avoir été à l'armée en 48, non 52. Et j'ai été muté dans ce qu'on appelle le groupement IREC. C'était le groupement qui était chargé des problèmes militaires, nucléaires, dans l'armée. Le Z, c'était le groupement qui s'occupait d'approvisionnement des combustibles pour les tanks. Et ce groupe-là était au four d'Aubervilliers. Là, c'était un bordel absolument infernal. Le premier boulot qu'on m'a demandé de faire, ça a été de trier, de chercher dans les archives secrètes de cet organisme un texte qui avait été publié par Science et Vie sur les épaisseurs de blindage en fonction de l'énergie des particules. Et ces épaisseurs étaient mesurées en inches. Et on m'a demandé de les mettre en centimètres. Et c'était, vous voyez, la préoccupation en 52 pour les Français. C'était vraiment un bazar épouvantable jusqu'au moment où, quelques années plus tard, un groupe, moi que je traite de mafieux, Guillaume, et deux, trois autres, ont pris les choses en main, quasiment indépendamment du CEA et des militaires. Avec sans contrôle du tout, c'est-à-dire une liberté totale. Et c'était la première fois d'ailleurs qu'un organisme important scientifique n'était pas dirigé par un polytechnicien, mais par Yves Rocard, le père de Michel, qui lui sortait d'une école d'Amal. C'était assez curieux, mais... Donc ça s'est développé, la première activité, c'était donc la bombe. Les études étaient faites un peu partout, parce que il est évident que les bombes, c'était du plutonium, alors qu'actuellement, on parle beaucoup de l'enrichissement de l'uranium par l'Iran comme dangereux, alors qu'en réalité, ce qui est dangereux en Iran, c'est pas son enrichissement, parce qu'ils ne sont pas encore prêts de le faire, mais c'est les réacteurs nucléaires qu'ils ont et avec lesquels ils pourront faire du plutonium. Et il y a tout un bazar là-dedans qui est assez incompréhensible. Bon. Donc les premiers réacteurs qui ont été faits, c'était des réacteurs graphite-gaz. Ils avaient l'avantage qu'on pouvait retirer les barres d'uranium sans arrêter le réacteur. Et alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le plutonium est d'autant meilleur qu'il reste moins longtemps à l'intérieur du réacteur.
s'il reste trop longtemps, il y a des isotopes de, supérieurs qui ne sont pas fissiles, donc qui font que la bombe est de moins bonne qualité. Une bombe pour pays sous-développé. Mais donc ce genre de réacteur était commode parce qu'on pouvait enlever, etc. Et le souci de, énergétique n'existait pas, parce que si on tire les barres tout de suite, on perd de l'énergie. Et le retraitement, contrairement à ce qu'on dit dans le film, la Hague n'a pas été créée. N'a peut-être été créé pour faire du plutonium militaire, mais ce n'est pas à partir de la Hague qu'on a fait du plutonium militaire, parce que la bombe date d'avant la Hague. En réalité, la Hague a, été, a repris des installations et des idées et des processus qui étaient développés à Marcoule d'une façon un peu artisanale pour faire les premières bombes, et la Hague a été faite pour faire... développer, si vous voulez, d'une façon industrielle, les installations de Marcoule. Donc, et à partir d'un certain moment, je ne sais plus la date, je pense que c'est 56, il y a un réacteur à Marcoule, je crois que c'est G2 ou G, je ne sais plus combien, c'est G quelque chose, a été utilisé aussi pour faire de l'énergie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu une gestion commune CEA militaire et EDF, le réacteur fabriquait du plutonium et était couplé au réseau. Ça continuait comme ça, et donc le CEA, lui, voulait développer le nucléaire civil à partir de ces réacteurs graphique gaz. Alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des tas d'études qui paraissent tout à fait banales. Benning, par exemple, ces réacteurs demandent du graphite extrêmement pur. Donc il y a toute une étude industrielle pour fabriquer du graphite pur qui n'a rien de dangereux a priori si on ne connaît pas à quoi il va servir. Donc il y a toute une série de recherches industrielles, de développement industriel d'apparence civile qui en réalité allait déboucher sur le militaire. Et à partir d'un certain moment, dans les années 70-74, il y a eu un conflit entre le CEA et le EDF. EDF n'en avait rien à foutre des bombes. Ce qu'ils voulaient, c'est faire de l'énergie, le meilleur marché possible. Et les réacteurs à graphite gaz n'étaient pas les meilleurs sur le marché à l'époque. En particulier, il n'était pas possible d'en faire de très très gros réacteurs. Je crois qu'on ne pouvait pas dépasser plus de 500 ou 600 mégawatts, et les réacteurs américains de l'époque à eau légère pouvaient monter jusqu'à 900 mégawatts dans un volume beaucoup plus petit. Donc il y a eu un conflit qui s'est manifesté d'ailleurs par des manifestations syndicales pour la défense du CEA, dans lequel un des mots d'ordre était du graphite et du gaz pour tout le monde. Je me souviens de cette époque. Et le conflit, mais le EDF, regardant l'efficacité, a acheté des licences américaines pour lancer tout un programme. C'est 74. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on dit que profiter de la crise pétrolière de 73, c'est complètement faux. C'est pour ça que quand on regarde encore l'histoire, on s'aperçoit que dès les années 50, en 1950, il se crée une commission, la commission Péon, commission pour la production d'électricité d'origine nucléaire, qui est présidée par un nucléocrate qui a fait une carrière, il a été administrateur du CEA, puis ministre de la Recherche, ministre de la Recherche et éducation, ministre de l'Industrie et ministre des Armées. C'était la trajectoire traditionnelle, classique, dans ce genre de trucs. Donc, en 1950, il y a donc cette commission qui comporte d'un côté
des techniciens à haut niveau, hein, des polytechniciens en général, du corps des mines, de l'industrie privée, et des techniciens, polytechniciens, corps des mines, de l'État, les deux. Le problème est, c'est que l'industrie, les industriels n'étaient pas chauds pour se lancer dans cette affaire-là, en France, d'un point de vue financier, même si c'était financé par l'État, parce qu'il fallait investir, et puis il y avait le problème de la responsabilité. Dans le cas de Pépin, on oublie de dire que les industriels, très rapidement, je dirais à partir de 1957, avaient eu conscience que le nucléaire, un réacteur nucléaire pouvait causer des dégâts assez hallucinants. Il y a un texte de Brookhaven de 57, février 57, qui décrit qu'est-ce qui peut se passer en cas d'accident. On voit assez bien en perspective Tchernobyl dans cette affaire-là. C'est à la suite de ça que les Américains, d'ailleurs là j'ai fait une parenthèse, en septembre votent une loi, le Price-Anderson Act, qui limite la responsabilité civile des exploitants nucléaires en cas de catastrophe. Cette loi a été nécessaire pour que les industriels américains se lancent dans l'affaire. Cette façon de voir les choses s'est propagée sur l'Europe, et il y a eu des discussions au niveau européen, parce que l'Europe c'était assez compliqué après la guerre, et arrivé à un traité de Paris, je crois que c'est en 58-60. Alors là, le traité, lui, il a fait sauter le mot limitation. C'est exactement le même texte que le texte américain, mais au lieu d'être limitation de la responsabilité, c'est la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Le mot limitation a été supprimé. Et ce texte a été approuvé par différents États européens. Et le texte a été voté en 68, je dis bien en 68, par le Parlement, alors qu'il y avait le bazar épouvantable dans les rues, les manifestations, les défilés, etc. Mais manifestement, le problème qui sera crucial dans le futur a échappé complètement à la protestation populaire de l'époque. Cette loi de 68 a été modifiée en 90 et pour augmenter un peu le remboursement. Mais quand on regarde par rapport aux dégâts, les remboursements prévus par les responsabilités prévues sont relativement rien. C'est-à-dire que si on prend le prix du terrain dans la région de Bordeaux, actuellement, je ne sais pas, Margaux, Saint-Estèphe, etc., le prix actuel, et s'il y avait une catastrophe, combien les gens seraient possesseurs de ces terrains seraient remboursés, c'est ridicule. J'avais proposé à certains groupes anti-nucléaires de la région d'expliquer ça c'était pour le réacteur du Blayais, d'expliquer aux Japonais, parce que la plupart de ces vignobles appartiennent au Japon. Personne n'a voulu tellement parler de ce truc-là. Donc, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est ce conflit entre CEA et EDF, et les réacteurs, finalement, prévu en 1974. Quand on regarde les textes, c'est absolument dément. En 1974, on prévoyait pour les années 90-2000 200 réacteurs en France. On en a déjà 58, 59, mais il y en a un qui ne marche pas, mais il est quand même dans le catalogue. Alors qu'on est en gros en surcapacité.
Maintenant, on est en sous-capacité à cause des canicules. Enfin, ça, c'est encore un autre problème. Mais, donc, vous voyez, c'est qu'en réalité, la crise pétrolière de 1973 a été utilisée comme prétexte pour accélérer le mouvement qui était déjà prévu depuis les années 50. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, quand on regarde de près, on s'aperçoit que, si on prend le nucléaire américain et qu'on regarde les dates des commandes, les dates de mise en couplage au réseau, on s'aperçoit qu'il y a un brutal arrêt à partir de 73, de 73 à 78. C'est-à-dire qu'en pleine crise pétrolière mondiale, un bon paquet de réacteurs américains, de commandes américaines sont annulées. Parce que les industriels se rendent compte qu'effectivement, ça ne va pas leur apporter grand-chose, etc. Et à partir de 78, il n'y a plus aucune commande qui est passée. Ça, c'est l'histoire pour les États-Unis. Quand on dit, par exemple, que les Américains ont renoncé au nucléaire parce qu'il y a eu la catastrophe de Three Mile Island en 79, c'est faux. Il n'y a plus aucune commande passée après 78 et toutes les commandes passées antérieurement ont été annulées. Il y en a à peu près 200. Donc c'est pas la catastrophe qui a freiné le développement américain. De même que c'est pas la catastrophe de Tchernobyl qui est en train de freiner le nucléaire mondial. La catastrophe finalement. La catastrophe finalement a joué assez peu dans le développement et parce que elle est finalement banalisée. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, si, sûrement. Mais personne n'ose poser la question. Des questions. Allez-y. Hein. Ouais. Quand on voit souvent dans l'imagerie publique des gens qui manipulent l'uranium et le plutonium ou je ne sais quel matériau. Je ne sais quel matériau radioactif, travailler avec des combinaisons, des masques, des trucs, mais qui semblent dérisoires, qui semblent très fines, qui semblent un petit peu inappropriées. Est-ce que c'est un espèce d'effet placebo pour rassurer la population? Si vous pouvez nous expliquer un peu. Il y a déjà un problème qu'il faut voir, c'est que la prise de conscience du danger du rayonnement n'a pas existé chez les travailleurs du nucléaire. En particulier, les syndicats ne s'en sont jamais manifestés d'une façon importante sur les problèmes de maladies professionnelles dans le nucléaire. C'est important. Je me souviens d'un compte-rendu de la Commission nationale des cancers de 1985. Il y avait un article dedans, donc c'est un truc officiel, hein. Il y avait un article dedans disant que pour les cancers dus au rayonnement, toute industrie confondue, si on prenait les critères américains pour faire l'évaluation, on aurait entre 7000 et 14000 cancers par an. Or, la Sécurité sociale n'en reconnaissait à l'époque que 120. Et ça durait assez longtemps. Actuellement, ils en sont un peu plus, ils sont à peu près à 1000, mais l'augmentation n'est pas due à la reconnaissance des cancers du rayonnement, mais due au cancer de l'amiante. Parce que, alors, si c'est... Donc, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé, si vous voulez, il y a eu le rayonnement a eu un appui massif des médecins, des juges et des médias, ça c'est clair, et je dirais même des syndicats. Pour une petite anecdote, à propos du Limousin, il y a quelques années, les amis de la
région ont voulu faire une réunion publique à Bessines. Bessines, c'était la ville, la petite ville, le bourg, en plein centre de Minier. Et ils m'avaient demandé de venir pour exposer les travaux existants dans le monde sur les cancers professionnels chez les mineurs d'uranium. Et on devait passer des films et des diapos. Et d'un seul coup, on débarquait les gros bras de la CGT, des mineurs. C'est des gens qui n'étaient jamais descendus dans la mine, d'ailleurs. C'était des corps menaçant de casser tout, etc. Il a fallu faire appel à la gendarmerie. C'était quand même pour moi quelque chose d'assez étrange de faire un exposé protégé par les gendarmes. Quand dans le film vous voyez Léon Lemonnier, que j'ai bien connu, lui il travaillait à La Hague et il s'est beaucoup bagarré sur le problème de radioprotection. Incidemment, il est mort de cancer. C'est dommage qu'ils ne font pas appel dans le film à un film de la CFDT de l'époque qui s'appelle Condamné à réussir, que justement Léon Lemonnier avait quasiment initié avec l'aide de deux ou trois irresponsables, si l'on peut dire, de la CFDT, et que la CFDT nationale a quasiment saboté au niveau de la diffusion. Quand il parle des manifestations de 76, etc., quand il dit oh, je parle de ça, il oublie de dire qu'il y a un texte du comité d'entreprise de La Hague, un peu avant, dans lequel il y a une intervention du délégué CFDTiste interpellant le directeur du site pour lui demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il comptait faire pour arrêter toute la propagande qui était faite par les antinucléaires pour critiquer l'usine. Donc, à la suite du film Condamné à réussir, d'ailleurs, qui était piloté par la CFDT, l'élection au comité d'entreprise a complètement bousillé les CFDTistes. Ça a été la fin du CFDT, du syndicat. Donc, c'est quand même assez compliqué, cette affaire-là. Il y a eu d'abord une méconnaissance des dangers, d'une part. Un des exemples qu'on a de l'époque, parce que j'ai beaucoup milité avec les gens de, pas ceux qu'on voit là, mais d'autres, qu'on ne voit pas sur l'écran d'ailleurs, c'est le comité de... j'ai oublié le nom... CCPH, Comité contre la pollution à La Hague, qui était un comité... qui avait pour principe de dire que l'antinucléaire devait être un mouvement totalement indépendant des partis politiques et des syndicats et d'autres organismes. Ce qui n'était pas admis d'ailleurs par beaucoup. Beaucoup disaient que les antinucléaires devaient servir de masse de manœuvre, si vous voulez, aux quelques farfelus qui avaient... dans les syndicats, à la CFDT, pas à la CGT, mais à la CFDT, à FO, et au Parti Socialiste. Mais devait donc toujours être vigilant, ne pas être en opposition avec ces organismes-là. Au moment du passage de la privatisation de Cogéma, les syndicalistes CFDT de Saclay, de La Hague, était venu faire des conférences dans les différents sites nucléaires, en particulier à Saclay. J'avais été les écouter
Et les types se plaignaient, disant que c'était mal géré, etc., etc., et que ça pouvait beaucoup mieux gérer, etc., que la privatisation, ça allait être une catastrophe. Et donnait comme preuve de mauvaise gestion en disant que la production pendant les week-ends était nettement meilleure pendant la semaine, parce qu'ils n'étaient pas emmerdés par des contremaîtres qui leur imposaient des tas de choses. Par exemple, s'ils devaient les pisser, ils devaient enlever leurs vêtements et les remettre, etc. Et puis ils n'avaient pas le droit de manger sur le terrain, etc. Et les week-ends, comme il n'y avait pas d'encadrement, les règles de sûreté n'étaient pas... Autrement dit, il y a beaucoup de responsabilités. Et ça, évidemment, c'est pas les ouvriers qu'il faut critiquer là-dedans, c'est les ingénieurs, les médecins, etc. Quand vous regardez ce qui se passait à La Hague, quand un type de La Hague était malade et qu'il allait voir un docteur, aucun docteur ne commençait son entretien en lui demandant « Où est-ce que vous travaillez ?» C'était ça le truc. Et quand on dit que quand Pierre Barbet dit qu'il y a eu une commission d'enquête, etc., etc., pour les cancers, il cite Vielle qui a mis en évidence qu'il y avait un excès de leucémie chez les enfants de moins de 5 ans qui étaient dans la région. Qui pouvait s'expliquer que par des rejets, il faut signaler que ça a été la fin de sa carrière de biologiste. Hein. On lui a supprimé les crédits et tout. Donc c'était ça. Et il n'y a pas eu tellement de protestations, disons, de la communauté scientifique, de la communauté médicale, etc. Et le problème qu'ils ont réussi à déclencher à ce moment-là, c'est un registre de cancer et une étude très globale, surtout de la population, ce qui était stupide et compliqué. Par contre, il aurait été très facile de faire une étude sur les travailleurs de l'usine, parce qu'on a affaire, c'est tout, dans ce genre de choses d'épidémiologie, on a affaire dans une usine dangereuse, on a affaire à un corps, à ce qu'on appelle une cohorte, homogènes, c'est des gens qui ont à peu près le même âge, qui sont stables, qui ne changent pas tellement de boulot, et qui se connaissent bien. Donc, en plus, comme le risque est assez important, et beaucoup plus important pour eux que pour la population, on peut le mettre en évidence d'une façon plus facile. Et s'il y a un gros risque pour les travailleurs, ça veut dire qu'il y a un risque probablement plus faible, mais non négligeable pour la population, et s'appliquant à un nombre de gens beaucoup plus grand. Mais c'était ça la procédure. Ce qui n'a pas été fait, et que la commission d'enquête, la commission qui avait été nommée pour faire ça, où participaient un certain nombre d'organismes, d'associations, comme le GSIEN et la CRO, par exemple, n'ont pas suggéré et demandé, alors qu'on avait des indications qu'il y avait un excès de leucémie chez les intervenants rapprochés. Il y a un autre côté, ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'on a retrouvé dans les décharges publiques des gants, par exemple. Hein. Des gants qui étaient radioactifs, qui avaient servi. Parce que quand les types travaillent avec une paire de gants, une fois qu'ils ont fait un boulot, pof, c'est mis en déchet. Et ces gants étaient vraiment tout beaux, tout propres. Donc, les ouvriers les fauchaient pour leur donner à leur femme pour faire la cuisine. Quoi. Il y avait des caisses d'outils tout neufs, d'une fortune, une caisse d'outils tout neuf. Une fois qu'ils avaient travaillé, c'était contaminé, donc normalement ça devait partir aux déchets. Bon, les mecs se disaient on ne peut pas mettre ça dans les déchets parce que c'est tout neuf, donc ils piquaient ça. Il n'y avait pas du tout de conscience du danger. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que par exemple, justement, un gant suffit à protéger efficacement. Alors ça, le rayonnement et... ça c'est un autre problème. Ça. C'est qu'effectivement, ça protège un peu des poussières, si vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poussière qui va sur la peau, mais le rayonnement passe au travers. Hein.
faut mettre du plomb pour ça, mais c'est un peu lourd. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur la sécurité des centrales nucléaires en France, parce qu'il y a des problèmes aussi là-dessus, parce qu'on a Tchernobyl comme exemple, mais que c'est pas chez nous, et chez nous tout va bien, et je sais que toi tu sais que tout va pas bien du tout. Alors, est-ce que tu peux dire quelques petits mots là-dessus? Et puis aussi, quand tu parlais de à la suite, ton bouquin sortait du nucléaire si possible, et récemment tu dis que ce n'est plus possible parce qu'ils sont en train de couper les mines de charbon. Enfin, est-ce que tu peux faire une petite globalité sur tout ça? Ouais. En ce qui concerne la sûreté nucléaire, ce qui est assez curieux et assez intéressant, qui est très facile à faire, qui n'a rien de scientifique, c'est de prendre les textes officiels qu'on trouve dans le journal officiel, par exemple, ou bien les réglementations internes des autorités de sûreté qui sont publiées dans la revue Contrôle régulièrement tous les mois, tous les deux mois. On s'aperçoit qu'il y a toute une liste de décrets, d'arrêtés, de circulaires, dans lesquels le sujet, c'est l'accident. Et ce n'est pas l'accident qui va être une bavure, qui va arrêter la production simplement, mais c'est quelque chose qui peut être grave. Par contre, si vous regardez les revues médicales ou les revues écologistes, même anti-nucléaires, le nombre de lignes consacrées à un accident possible, pour la France, hein, c'est radicalement faible. Autrement, on a beaucoup moins de textes faisant allusion à la catastrophe possible chez les antinucléaires et chez les écologistes qu'on a chez les autorités administratives qui sont destinées à gérer l'accident. Il y a eu un exemple assez récent qui doit dater du mois de mai, avril ou mai, je ne sais plus, dans lequel la CGT de Nogent-sur-Seine, la centrale nucléaire qui est à 80 km de Paris, la CGT a décidé de faire une conférence de presse. C'est la première fois que ça arrivait que la CGT se manifeste sur ce genre de sûreté, de problème. Et le sujet, c'était... je crois que ça a été on a fait un article là-dessus dans le bulletin du comité. C'était le fait que c'était géré n'importe comment et que l'essentiel c'était le management et que le nombre d'incidents, comme on dit, il ne faut pas mélanger accident et incident. L'accident c'est quand il y a quelque chose qui va se passer à l'extérieur et l'incident c'est quand il y a quelque chose qui merde à l'intérieur. Bon. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'était du genre, les autorités en ont inventorié 30, en réalité il y en a eu 130, 135, je crois, quelque chose comme ça, et qu'il y avait une dalle de 80 cm d'épaisseur de béton qui s'était soulevée parce qu'il y avait eu un problème en dessous, que les deux réacteurs étaient protégés contre les inondations externes, mais pas contre les inondations internes. Il y avait eu une fuite sur un circuit d'un réacteur et l'eau était passée dans le deuxième réacteur par les souterrains. Donc, et en plus, manifestement, les CGTistes qui intervenaient étaient inquiets, c'était la première fois qu'on voyait ça, enfin, inquiets pour leur propre sécurité, quoi, c'est ça, et demandaient ralentissement, etc., etc. Évidemment, il disait, ça va réduire la production, mais ce n'est pas gênant, il suffit de faire quelques réacteurs supplémentaires. Donc, ça c'est le premier point, si vous voulez, qui à mon avis doit permettre à un citoyen, même totalement non scientifique, de voir les problèmes, parce que s'il y a des tas d'arrêtés, décrets, etc., concernant la sûreté, c'est que la sûreté est un problème. Sinon, on ne comprend pas pourquoi les gens s'inquiéteraient, les autorités s'inquiéteraient de ce qui va se passer. En général, il n'y a pas de procès
Ça se passe à l'amiable quand c'est découvert, parce que s'il y avait procès, il y aurait publicité autour de ça. Et il y a eu un exemple par Paluel où un type, un technicien, qui en avait marre parce qu'il n'était pas augmenté, etc., qui était arrivé, parce qu'il était un peu bourré, il est arrivé dans la salle de contrôle, il a commencé à cogner sur les boutons un peu partout, ça fait un arrêt d'urgence. Bon, ça s'est pas trop mal passé, bon, ça a été bien, enfin, ça aurait pu déconner. Mais il a été vidé, bien sûr, mais comme il n'y a pas eu de procès, il a été licencié avec indemnité. Quand on licencie quelqu'un, il y a une indemnité, évidemment. L'argumentation qu'on a appris par la bande, on apprend des choses quand même, quand on écoute, c'était qu'il y a eu une négociation entre les autorités et les syndicats. Les syndicats ont indiqué que s'il y avait un procès, ils révéleraient d'une façon très précise tout ce qui se passait dans l'usine. Oui, genre de truc. Il y a eu un incident aussi au Blayet de ce genre-là et d'autres dont on ne connaît pas là. Quand on n'a pas entendu parler, mais c'est évident que c'est plus... Il faut se mettre dans la peau, par exemple, des intérimaires qui sont déplacés. Ils restent 15 jours, 3 semaines dans le nord, après on les retrouve dans le midi, après ils se retrouvent dans l'ouest, etc. Ils vivent en caravane. Et quand ils ont dépassé la dose, limite, sur leur badge, ils sont... licenciés, son chômage. Donc on peut imaginer que... Alors, pour certains, la solution pour ne pas être au chômage, c'est de travailler dans le badge. Comme ça... souvent, ils peuvent trouver du boulot dans le désamiantage. Après. Donc on peut imaginer un type... il y a eu un médecin de travail, un seul, qui avait montré qu'à Chinon, il y avait eu un nombre de suicides chez les intérimaires qui était tout à fait anormal. Des types qui ne supportaient plus ce genre de travail, avec l'idée du danger et le fait, le danger, le chômage et le déplacement. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas du tout négligeable. Et aussi le fait que dans toute l'industrie, on n'est jamais sûr à 100% quand on fait quelque chose, ça c'est clair. Je me souviens d'avoir interviewé un technicien de la Hague, ça devait être en 78, 79, je ne sais pas par là. Et le type me dit, le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Je lui dis, c'est intéressant, tu peux me développer, etc. Il me dit, parce que si le type il est très consciencieux, il est très compétent, dès qu'il va voir le moindre défaut, il va dire, on arrête pour réparer. Et à ce moment-là, si on arrête à chaque fois qu'il y a un petit défaut, on ne démarre jamais, ça c'est clair. Donc, il faut considérer l'industrie nucléaire comme une industrie comme les autres, ayant les mêmes problèmes que les autres, ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'on a laissé entendre au départ que l'industrie nucléaire était une industrie parfaite, dans laquelle il n'y avait rien du tout. On était capable de faire des dizaines de milliers de kilomètres de soudure sans qu'il y ait un seul problème. Ce qui est totalement stupide. Il y a des erreurs de conception aussi qui sont faites. Il y a, je crois que dans les années 90, il y a eu le responsable de la sûreté à EDF avait fait dans son rapport, dit que d'avoir en tête, il disait qu'il fallait pas culpabiliser systématiquement les opérateurs. Que s'il y avait des problèmes sur une centrale nucléaire, ça pouvait provenir d'autre chose. Ça pouvait provenir d'un défaut de conception, d'un défaut de gérance, que la gestion était mal faite,
et pas uniquement. Donc il fallait donc bien voir que c'était l'ensemble qui pouvait être responsable. Et il disait qu'il fallait développer ce qu'il appelait, lui, la culture de la sûreté. Et il se plaignait que la culture de la sûreté n'était pas suffisante à EDF. Et il donnait des exemples. Le problème qu'il y a, c'est que quand on essaye d'imaginer les gens qui travaillent là-dedans, c'est pas possible de travailler dans une entreprise avec la culture de la sûreté. Avec en tête en disant, dès que je touche à quelque chose, ça peut péter et ça peut contaminer toute l'Europe. C'est pas possible, on devient fou, c'est comme ça. Donc on est obligé d'avoir des tabous. C'est-à-dire de ne pas d'escamoter des problèmes de sûreté en général. Le mot cancer, par exemple, est rarement, voire jamais prononcé par ces gens-là, alors que c'est les gens qui sont susceptibles d'en choper. Hein. Cette culture de la sûreté est quelque chose d'impossible. En plus de ça, en cas de problème, le mec qui a la culture de la sûreté va hésiter. Il va dire, qu'est-ce qui va se passer si j'appuie là-dessus, donc il ne va rien faire. Donc il faut une certaine inconscience de la sûreté pour gérer la sûreté correctement. Tous ces problèmes sont très complexes et c'est pas si évident que ça. Il y a un événement assez curieux et assez drôle, entre guillemets. Il y a quelques mois à Civaux, il y a un type qui a posé un dossier sur le pupitre de contrôle. Et le dossier a appuyé sur un bouton et les barres de commande sont parties en flèche vers le haut. C'est-à-dire que le réacteur est passé à la puissance maximum, voire au-dessus. Bon, ça s'est pas trop mal passé, mais vous voyez ce genre de truc. C'est que mauvaise conception. C'est évident qu'on ne va pas laisser une commande importante avec un seul bouton. Ou alors il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton, après une réflexion, bon, c'est erreur de conception. Et ça, il y en a comme dans toutes les industries. Donc dire que la sûreté en France est assurée, ça c'est stupide d'une part. Et d'autre part, alors, quand on regarde comment les autorités se préoccupent des problèmes de Tchernobyl, leur problème, quand ça s'aperçoit, c'est que la gestion relativement simple envisagée autrefois, de dire que dans un petit périmètre on évacue, bon, ça ne fait pas grand monde, dans un périmètre un peu plus grand on confine. Alors le mot confinement a été rejeté, parce qu'il y a des gens qui ont dit ça. Ça coupe le souffle. Quand on entend ce mot-là, on a l'impression qu'on ne peut plus respirer. Donc, ils ont préféré mettre le terme « mise à l'abri ». Donc, ils s'aperçoivent que l'évacuation en cas d'accident, l'évacuation d'une portion de région sur une trentaine de kilomètres serait quasiment impossible, ou ça serait un bazar épouvantable. Tout le monde prendrait sa bagnole pour foutre le camp, ça serait un embouteillage énorme, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce qui se passe autour de la Biélorussie, après Tchernobyl, pour montrer qu'on peut vivre, entre guillemets, avec la contamination après l'incident. Et dans ce genre de... Il y a des groupes de travail qui sont faits, sur ce qu'on appelle le projet COR, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, dans lesquels on va trouver des gens très très liés financièrement au CEA, la COGEMA et EDF. Et on trouve des universitaires, de Caen, le Lazare, laboratoire d'analyse anthropologique du risque, chose comme ça. On trouve l'accro pour montrer que finalement, en éduquant les populations des territoires contaminés biélorussiens, en éduquant les populations, ils peuvent vivre normalement. En escamotant tous les problèmes qu'il y avait chez les enfants, les problèmes de
cardiaque, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est difficile à noter. D'un autre côté, je crois qu'il faut quand même être bien conscient que s'il y a des responsabilités dans l'affaire, ça n'est pas simplement aux politiques ou aux technocrates de la tête. Il y a le corps médical n'a jamais réagi, au contraire, a réagi d'une façon pro-atomique, si on peut dire. Les médias, et aussi les associations qui n'ont jamais pris en compte. Je me souviens, depuis les années 70, 74, quand j'intervenais publiquement, le thème que je prenais, c'était la catastrophe. Parmi les dangers spécifiques du nucléaire, si on comparait le nucléaire à le reste de l'industrie, il y avait les ouvriers, évidemment, qui en prenaient. Là, c'était pour moi un travail beaucoup plus dangereux que dans d'autres entreprises, mais que ça pouvait se négocier avec les syndicats. Mise à la retraite anticipée, contrôle médical, peu de travail, etc. D'une part, il y avait la contamination de la population dans l'environnement. Ça, c'était plus grave qu'on pensait, mais il y avait quand même aussi toutes les saloperies, pesticides, mercure, etc., qu'on néglige. Il y avait deux points qui étaient spécifiques. Il y a les déchets à long terme, dont on n'était pas compte, la gestion, et il y avait la catastrophe. Et chaque fois que je parlais de catastrophe, les écolos me disaient quand tu interviens, on ne va plus être crédible. Et si vous regardez l'argumentation qui s'est développée dans les années 74 pour la mise en place du programme électronucléaire français, la catastrophe n'est pas l'argument majeur. Un des arguments majeurs, ça a été, comme l'a développé Didier Angers, le coût. Bon, manifestement, si le nucléaire n'était pas dangereux et très coûteux, à mon avis, il faudrait le faire. C'est l'argumentation qu'on donne d'ailleurs pour les énergies renouvelables. Tandis, le coût énorme et le déficit de EDF, comme argument, à mon avis, c'est un argument fallacieux. Parce que le seul argument valable, à mon avis, c'était le risque de catastrophe, qui était totalement ingérable, et la façon absolument impossible à gérer les déchets. Et ça, c'était ce qu'avait. Pas savoir ce qu'elle dit. Quand on relit les textes de cette époque, on s'aperçoit que peu de gens en parlaient. Et c'était très mal vu d'en parler. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, c'est un sujet vaste. Ils sont on va vous quitter pour prendre le bateau. Ah bon ? Merci. On doit avoir, ça c'est dans le bouquin, ça, c'est on doit avoir un réacteur par million d'habitants, en gros, quoi. Alors qu'aux États-Unis, c'est 1 pour 2 millions. Donc on a... Alors qu'il y a une centaine de réacteurs aux États-Unis, 104, je crois. Bon, qui je suis ? Bon, j'ai travaillé dans un laboratoire où il y avait beaucoup de rayonnement, et je me suis dit, n'ayant pas confiance dans la façon dont la sûreté était gérée, je me suis inquiété et j'ai étudié de près tous les textes de façon critique pour connaître les dangers également. Ma femme qui était dans le laboratoire du CEA avec aussi du rayonnement. Commissariat à l'énergie atomique. C'est-à-dire c'est l'organisme qui a été créé en 1945 pour développer à la fois le nucléaire militaire et le nucléaire civil. Donc on s'est inquiété parce qu'il y avait des gens, à part lui, il y avait un instit assez curieux, Pignero, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui disait que le rayonnement était extrêmement dangereux, etc., etc. Et puis d'autres types ont placé, disant, mais non, les médecins n'ont aucun danger, rien du tout. Donc on s'est dit, il faut quand même vérifier s'il ne dit pas de conneries, etc. Donc on a commencé
à étudier de près tous les textes, et en particulier, on a eu, dans les années 70, énormément de renseignements venant des États-Unis, d'Aide de France, rien du tout. Parce que il y a une structure d'État aux États-Unis qui est très différente de la nôtre. Les différents organismes d'État sont indépendants. C'est-à-dire qu'un organisme d'État peut en critiquer un autre. En France, c'est interdit. C'est-à-dire que si le ministère de l'Environnement ne peut pas porter plainte contre le ministère de l'Industrie, pas possible. S'il y a un conflit entre les deux, ça se règle avec le Premier ministre. Mais ça, il n'en sort rien. Tandis que dans les organismes américains, chaque organisme a intérêt à flinguer les autres pour avoir plus d'argent. C'est une question de fric, uniquement. Par exemple, pour la contamination des eaux, une partie de la réglementation dépendait d'un organisme qui contrôlait la flotte, et une autre partie était contrôlée par l'organisme nucléaire. Et les deux étaient en conflit sur le niveau de contamination des eaux. Donc on avait des informations comme ça. Toutes les informations qu'on a eues venaient des États-Unis d'ailleurs. Les réactions quand on regarde d'ailleurs au niveau international, dans les textes, les références sur ces problèmes-là, par exemple les problèmes épidémiologiques, les problèmes de santé, etc., dans les articles sérieux, scientifiques, il y a très peu de références à des articles français. En particulier, il n'y a quasiment jamais de référence à des gens de l'Académie des sciences françaises. Ça, c'est rare. D'ailleurs, pour donner un exemple, l'Académie des sciences françaises vient de se faire épingler par un juge, parce qu'il y a un procès actuellement contre Pellerin. C'était le type qui dirigeait le SCPRI, le service central de protection contre les rayonnements ionisants. C'est celui qui a empêché que des mesures soient prises avec les nuages de Tchernobyl. Donc il y a une plainte contre lui. Et il y a eu un rapport de l'Académie des sciences qui vient de sortir, signé de gens très importants, disant non, il a eu raison, etc., etc., il n'y a pas de problème, etc. Et comme le Pellerin avait été mis sous écoute, le juge a entendu que l'article de l'Académie des sciences avait été rédigé par Pellerin lui-même. Ce qui fait scandale. Bon. Mais quant à la situation du nucléaire en France, bon, il y a d'abord eu le... Quand on regarde la façon dont la France a développé le nucléaire, il y a une logique, une rationalité très bonne, sur des bases fausses, mais la logique était... Par exemple, ils se rendaient compte que l'uranium était un minéral, un élément qui était limité dans la Terre. Donc, si on se mettait sur l'uranium uniquement, à un moment donné, c'est ça. Donc ils avaient imaginé de passer à un système qu'on appelait les surgénérateurs avec Super Phoenix. Et le système a été montré complètement... Les Américains avaient abandonné ce procédé comme étant totalement impossible à faire fonctionner. Et c'est ce qui est arrivé en France, il a fallu l'arrêter parce qu'il y avait tellement de problèmes et ça consommait beaucoup plus d'énergie que ça en produisait. Donc le Super Phoenix a été arrêté et tout le programme de surgénération a été arrêté. Donc, mais il y avait quand même une certaine logique dans ce système-là. La conception actuellement de
de la France pour le nucléaire est assez étrange. Parce que d'un côté, il y a quelques années, on avait mis en évidence qu'il y avait une surcapacité. Et effectivement, quand on regarde sur le plan international les différents pays, si on regarde l'efficacité moyenne des réacteurs par pays, quand j'appelle efficacité, c'est un coefficient qui divise la production électrique sur un an avec la production électrique que produirait le réacteur 24 heures sur 24 pendant toute l'année à puissance maximum. Et on s'aperçoit que la France est au 14e pays, à 14e place au niveau mondial. Autrement dit, on n'est pas. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a des problèmes de sûreté. On arrête le réacteur, au contraire. C'est parce qu'il y a des moments où il y a trop de courant. Et maintenant, on s'aperçoit maintenant qu'il y a des moments où il n'y a pas assez de courant. Pour les réacteurs. Alors, il y a un truc, la canicule a déclenché un nouveau phénomène, c'est que les réacteurs, pour les réparer, les périodes d'arrêt étaient choisies en été. Ce qui fait que l'été, la capacité de production était beaucoup plus faible qu'en hiver, où le chauffage dégageait beaucoup plus de courant. Et là, ils s'apercevaient qu'avec les climatiseurs, ça donnait l'inverse. Donc, ils ont décidé de ne pas arrêter les réacteurs sur rivière. C'était surtout les réacteurs sur rivière qui étaient arrêtés. Mais ils ont lancé le fameux EPR, le réacteur européen. Là aussi, il y a une histoire assez curieuse, parce que Areva, qui est maintenant le, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui est l'organisme qui regroupe Framatome, Siemens, puis CEA, Kojima, etc., a proposé aux Finlandais un réacteur EPR, qui est un réacteur de très forte puissance à 1600 MW, c'est-à-dire à peu près, pas tout à fait le double, enfin une fois et demi, trois quarts en plus de la moyenne des réacteurs, mais aux Finlandais à un prix dérisoire et un délai dérisoire. Ils ont prévu que le réacteur soit en fonctionnement pour 5 ans. Or, les derniers réacteurs français qu'on a construits ont été construits en 12 ans. Là, on a appris par la presse que les Finlandais viennent d'apercevoir qu'en 8 mois après le contrat, Areva avait pris un an de retard. Là-dessus, au début de ça, Nicole Fontaine, qui était ministre de l'Industrie à l'époque, avait fait tout un rapport disant qu'il faut développer l'EPR, pas parce qu'on en a besoin, mais comme vitrine pour pouvoir le vendre, etc. Et elle s'était fait ratatiner par Raffarin en disant qu'il n'était pas question de ça, etc. Et puis, de façon assez curieuse, quelques mois plus tard, Raffarin déclare qu'on va faire un EPR. Alors, c'est quelque chose qui est assez mystérieux parce que. Au niveau démonstration, on a le réacteur finlandais, donc on n'avait pas besoin de réacteur en France. Et au niveau de la capacité, ce n'était pas évident non plus. Personnellement, moi j'ai vu dans cette affaire-là une affaire bassement politique pour foutre le bordel dans la gauche. C'est-à-dire entre les Verts, les socialistes, la LCR... la Guillet et compagnie. Parce que les uns étaient pour, les autres étaient contre, donc manifestement, ça n'a pas eu de réaction souhaitée. Et alors comment ça va se passer, ça, j'en sais rien. Aux États-Unis, il n'y a rien qui est relancé. La seule chose qui est faite aux États-Unis, c'est qu'ils ont décidé de prolonger la durée de vie des réacteurs. De les porter de 40 ans à 60 ans.
Quand on réfléchit, on s'aperçoit que au niveau économique, c'est pas stupide, même s'il y a un accident. Parce que au bout de 20 à 30 ans, le réacteur est amorti. Or, dans le prix de revient d'électricité, l'amortissement du réacteur joue un rôle important. Ce qui fait que lorsque le réacteur est amorti, l'investissement est amorti, l'électricité produite est vraiment très bon marché. Donc en le vendant normalement, on doit se faire un paquet de fric suffisant, largement suffisant, pour compenser les pertes qu'il y aurait en cas de catastrophe avec la loi qui limite la responsabilité civile des exploitants nucléaires. Tant mieux, il y a une certaine logique économique dans laquelle le coût de la catastrophe est connu, est décidé, une loi, alors en France, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas prévu ça, mais ils envisagent de le faire. Et il y a eu une déclaration assez curieuse d'EDF disant nos réacteurs. Pour le moment, il n'y a pas de réglementation officielle. Il n'y a pas de texte qui dise, pensée administrative disant la durée de vie d'un réacteur, c'est tant d'années. Chaque 10 ans, il y a un contrôle, qu'on appelle un contrôle décennal, des autorités de sûreté qui vérifient que tout est bon, le meilleur des mondes, et donnent l'autorisation de redémarrer pour 10 ans. Et d'un seul coup, il y a 2 ans, l'EDF a dit nos réacteurs, on les a pour 40 ans. Ce qui évidemment était de dire aux autorités de sûreté, on n'a rien à foutre de vos trucs, c'est nous qui décidons. Les autorités de sûreté étaient assez embarrassées par cette prise de position. Alors, pour les autres pays, effectivement, il y a une tendance à ça. Mais d'un autre côté, depuis quelque temps, il y a une tendance au charbon. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a des investissements, je crois que c'est espagnol, sur des centrales à charbon, qu'on appelle charbon propre. Ils viennent de découvrir que dans la Nièvre, à côté de Nevers, il y a une mine de charbon assez riche qui pourrait être ouverte, et avec la fabrication d'un réacteur à charbon. Bon, ça c'est très limité. La plupart des centrales à charbon, des réacteurs à charbon existants, EDF les a matraqués en les mettant soit en arrêt, soit ce qu'ils appellent sous cocon. C'est-à-dire que sous cocon, ça veut dire que si on a besoin d'eux, on ne peut pas les démarrer tout de suite, il faut un certain temps. Au moment des tempêtes de 99, où il y avait eu pas mal de dégâts, ou la canicule, je ne sais plus lequel des deux, soit de la canicule, il y a des réacteurs à charbon de français qui n'ont pas pu démarrer parce qu'ils avaient oublié de remplir les stocks de fuel. Le réacteur à charbon démarre au fuel d'abord. Quand la chaudière est chaude, on charge en charbon. Donc il y avait une négligence dans les... Et il y a eu des manifestations de syndicalistes CGT contre la fermeture des centrales à charbon. Alors le problème qui se pose de ce côté-là est... n'est pas tellement compliqué, mais au niveau médiatique, c'est bien très compliqué. Il y a une diabolisation du charbon. Quand on regarde la production électrique, la production d'énergie électrique par rapport à la production mondiale, on s'aperçoit que c'est pas grand-chose, et que si on remplaçait tout le nucléaire mondial par des centrales à charbon, ça augmenterait la consommation de charbon de l'ordre de 6% à peu près. Donc ça, au niveau de l'effet de serre, si l'effet de serre existe aussi catastrophique qu'on prévoit, ça augmenterait l'effet de serre de 2 à 3%. Si vraiment c'est un désastre, l'effet de serre, on n'est pas à 2-3% près. Alors ce qu'on appelle charbon propre, dans les centrales à charbon, autrefois, on brûlait le charbon et il sortait toute une sorte quantité de saloperies, en particulier des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, etc., qui étaient extrêmement contaminants, extrêmement chimiques, j'entends. Et là, la France a développé un système dans lequel ils mettent certains produits dans
le charbon, qui fait que le soufre et d'autres produits chimiques qui partaient dans les cheminées autrefois restent dans les cendres. Donc il ne sort que du gaz carbonique pratiquement. Ces centrales, ce qu'on appelle centrales à charbon propre, sont très prisées dans le monde entier, françaises sont très prisées dans le monde entier. La France en a vendu pas mal en Chine, par exemple, alors que la Chine n'a pas tellement voulu acheter l'EPR récemment. Et donc la France développe beaucoup plus de ses centrales à charbon propre pour l'étranger que pour la France. Par contre, on s'aperçoit qu'EDF investit énormément dans les renouvelables, en particulier les éoliennes. L'explication qui est donnée, c'est que d'une part, même si on développe d'une façon fabuleuse les éoliennes, ça ne mettra pas en danger la production électrique nucléaire. Parce que la production qu'on peut espérer des éoliennes est relativement faible, même en les développant d'une façon énorme. Mais ce qui se passe, c'est que pour satisfaire les écolos, EDF est obligé d'acheter l'électricité éolien beaucoup plus cher que l'électricité nucléaire lui revient. Ce qui fait que ça lui coûte pas mal d'argent, qu'on retrouve d'ailleurs sur nos feuilles de facture EDF. Donc ils se sont dit, si on développe, nous, les éoliennes, là, ça évite au privé de développer les éoliennes, et c'est de l'argent qui reste sur place. Quoi. C'est l'EDF rachète à EDF de l'électricité et d'éoliennes. On donne souvent comme exemple le Danemark, comme pays très éolien. Or, le Danemark n'a pas de nucléaire, mais le Danemark a un parc à charbon et à fioul considérable. C'est le Danemark qui produit le plus de gaz carbonique, gaz à effet de serre, par habitant en Europe. On s'aperçoit qu'en Allemagne, par exemple, il y a un développement assez... Quand il dit développement considérable, c'est relatif, hein. Quand on n'a rien et qu'on fait quelque chose, ça fait beaucoup en rapport. Mais en valeur absolue, c'est peu. Et le développement qui est fait en Allemagne sur les éoliennes, ce n'est pas pour remplacer le nucléaire, mais c'est pour diminuer la consommation de charbon. Ça a été dit d'une façon très explicite par les autorités. De toute façon, quand on regarde les chiffres, d'autre part, on s'aperçoit que les éoliennes ont un coefficient de production à peu près le quart de ce que produit un réacteur nucléaire français. Le coefficient de production d'un nucléaire en France est de l'ordre de 80%. Les éoliennes est de l'ordre de 20%. Parce qu'il faut que le vent... et une vitesse comprise entre une valeur et l'autre. Si le vent est trop fort, il faut mettre les pales en berne, sinon il faut que le camp. Si le vent est trop faible, ça ne tourne pas assez vite et on ne peut pas se raccorder au réseau. Autrement dit, quand on donne la puissance des éoliennes, si on veut les comparer à la puissance nucléaire pour le remplacement, il faut diviser par 4. Or, actuellement, les plus grosses, là, si vous voulez citer des chiffres, les plus grosses éoliennes qu'on fait, c'est 2 MW ou 2 MW 5. C'est des éoliennes qui font 100 mètres de haut. 100 mètres de haut, c'est quand même assez haut. Hein. Et dont le bidule qui est en haut fait plusieurs tonnes. Et ces éoliennes, en réalité, le vent est favorable en mer, parce que le vent est ralenti par la terre. Donc les éoliennes terrestres produisent beaucoup moins que les éoliennes qui sont en mer. Mais on ne peut pas mettre des éoliennes en mer près des côtes, c'est évident, parce que la marine ne peut plus fonctionner à ce moment-là.
Donc il faut les mettre assez loin des côtes. Or, quand on regarde pour la France, si on prend la côte atlantique, le sous-sol marin descend assez vite. Ce qui fait que dès qu'on s'écarte un peu trop de la côte, on est très profond et c'est impossible de mettre une éolienne accrochée au sol. Donc on est très embêté. Par contre, le Danemark a une île assez lointaine qui a justement un vent assez favorable. Donc ils vont pouvoir faire un parc éolien assez important. Mais quand on regarde en valeur absolue, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Par exemple, si vous allez à Paris, vous prenez le train, à un moment donné, avant d'arriver à Paris, vous voyez des éoliennes. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. À l'aller, elle tournait. Quand je fais le retour, elle était à l'arrêt. Et pas, elle ne tournait pas. Et elle ne faisait pas 100 mètres de haut. Hein. C'est des éoliennes qu'on devait faire, je ne sais pas, 200, 300 kilowatts. C'est-à-dire quelque chose de ridicule. Il y a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on a du mal à résoudre, c'est qu'on donne toujours les puissances, mais on ne donne pas la quantité d'électricité fournie. Ça, il y a un secret là-dessus, parce que ce qui est important, ce n'est pas la puissance, c'est la production électrique. La seule façon qu'on peut envisager pour réduire le nucléaire, c'est le charbon pour le monde. Le fioul, de toute façon, les réserves mondiales sont de l'ordre de 50 ans, à peu près, d'après ce qui est évalué. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas tellement non plus, c'est que l'uranium, si les réserves d'uranium n'ont guère pour plus de 50 ans. Donc, dans 50 ans, on sera délivré des réacteurs, mais pas des déchets. Et par contre, le charbon, les réserves mondiales sont évaluées à 200 ans à peu près. C'est ce qui est évalué d'ailleurs dans les schémas à très long terme, c'est-à-dire que dans un siècle, ou chose comme ça, l'essentiel de l'énergie viendrait du charbon. À moins qu'il y ait une réduction massive de la consommation électrique. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment. Alors bon, évidemment, la Suède, par exemple, qui avait décidé il y a je ne sais plus combien d'années, une vingtaine d'années, qu'elle fermerait ses réacteurs, il y avait une loi qui était passée. Elle fermerait son réacteur, je ne sais plus en quelle année, après, quelques temps après l'an 2000. Actuellement, ils sont en train de réviser cette situation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Mais on voit mal en économie privée, on voit mal un développement massif de nucléaire. Peut-être quelques centrales par-ci, par-là. Les deux pays où le nucléaire se développait relativement bien, c'est la France et l'Union soviétique. C'est-à-dire des pays où... c'était considéré comme un bien parce que ça voulait dire qu'on produisait de l'énergie sans s'inquiéter du fric. Ce qui était quand même quelque chose de bien parce que s'inquiéter toujours de l'argent, ça peut être considéré comme très malsain. Là, l'État a développé en disant que l'argent, on n'en tient pas compte, on s'en fiche. Donc, voilà, c'est... Maintenant, la situation est assez compliquée. Les Chinois veulent développer aussi des nucléaires. Maintenant, si on regarde la superficie de la Chine et de la population chinoise, si on veut les mettre au nucléaire au même niveau que la France, bon, ben c'est une quantité absolument gigantesque
ils ont quand même plus d'un milliard d'habitants, nous on a 60 millions, on fait le rapport, et 58 réacteurs. Donc ça fait, je sais pas, plusieurs centaines de réacteurs, ce qui est totalement impossible à réaliser dans un temps relativement bref. Par contre, il est possible que ce soit commode pour eux de développer quelques centrales auprès de centres urbains qui ont besoin de beaucoup d'électricité. Donc ça pourrait être pas tellement pour le développement global de la Chine, mais simplement pour le développement soit industriel de certaines régions, de certains points. Merci Roger. Il y a des gens qui sont venus pour voir un film encore, c'est ça? Oui, ben je crois que les gens qui veulent bien voir le film pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Donc on passe ce film-là? Pas vu, pas pris? Oui. Tu l'as vu, Roger? Oui, j'ai vu. C'est pas mal. Il connaît tout, Roger. Non, je ne connaissais pas le deuxième, là. Oui, celui-là, oui. Non, ça, il est assez récent, celui-là, sans doute. Ben, ah, non, parce que le ticket de bas est mort.